Et voilà, on s'était arrêté en frappant ce boss. Bah écoutez, j'ai pas bougé d'un poil et puis bah je vais continuer à le frapper. L'épisode 4 donc de nos aventures sur la map Zelda The Seal of Time. Donc je continue à pulvériser ce boss qui ne fait strictement rien, mais je crois qu'il va être très très long à tuer. Allez, dépêche-toi de mourir. Voilà. Ok, c'est bon. Il n'y a plus de boss, on n'a plus m'embêter et j'ai accès au coffre qui me donne la clé. La clé du boss. Ce silver key, la clé en argent. Ok, donc par contre, vous l'avez vu tout à l'heure, la porte du boss n'est pas accessible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudra que je retourne là où on s'était... là où j'avais décidé d'aller explorer ailleurs avant. Par contre, voilà, je vais quand même faire un petit tour ici pour aller voir ce qui se cache dans la porte que j'ai ouvert dans les premiers épisodes, tout premier je crois. Voilà, cette porte-là. Un coffre. Et voilà, mon quatrième quart de cœur. Et bah écoutez, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, j'ai un cœur supplémentaire. Ça c'est cool. Pardon. Allez. Voilà. Donc on va pouvoir retourner maintenant. On va pouvoir retourner là où on s'était laissé. Après avoir bougé les quatre blocs. On va pouvoir aller voir tout ça. Parce que je crois que j'ai globalement fait le tour dans les salles, dans ces salles-là. Donc bah écoutez, on va remonter. On va remonter là-bas. Ah, et la chauve-souris vient de la mettre. C'est pas la chauve-souris invincible ça. Putain de si c'est... Ah non, c'est bon. Elle a pris sa douille. Elle s'est calmée, voilà. Ok, 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 ok. D'accord, donc là il faut que je remonte par l'échelle. Ah, lui il est reviendu. Allez, dégage. Et je remonte. Et je remonte et je vais donc voir ce qui se cache. À mon avis, il va falloir que j'active une sorte de plateforme ou quelque chose pour pouvoir atteindre la salle du boss, hein, inévitablement. Là, on a eu la mini-salle du boss. Ouais, donc c'est par là-bas. Fail. Enfin, je crois, hein, si ma mémoire est bonne, qu'il faut que j'aille par là-bas. Voilà, c'est ça. Ah bah, lui, il est revenu, mais je vais le snobber. Ok. Oh. Toi je t'ai vu. Viens pas me... Don't fuck with me. Voilà. Putain, il y en a une autre. Oh merde. Voilà, bah je suis tombé, c'est parfait. Je suis dans le labyrinthe, d'accord, ok. Ok, je reconnais l'endroit, je suis dans le labyrinthe. Du coup, faut que je remonte d'un cran. Je crois que c'est par là la sortie, enfin l'entrée plutôt. Voilà, c'est ici. Ok, donc note à moi-même, ne pas tomber parce qu'on arrive dans le labyrinthe et donc c'est moyennement cool. Ce qui veut aussi dire que le chauve-souris, bah s'il vous plaît, ne me pétez pas les couilles hein, parce que j'ai pas que ça à foutre que de devoir remonter 50 000 fois. Allez, on va dans le labyrinthe version supérieure. Allez, toi tu vas en bas, tu me fais pas chier. Toi tu viens ici s'il te plaît. Tu te dépêches. Voilà. Oh non, mais c'est pas vrai, les chauves-souris là. Oh. Ok, ok. Bah écoutez, on va se retaper un tour hein. Je vais essayer de rusher. En même temps, rusher, voilà, ça convient pas à ce style de jeu parce qu'il faut quand même explorer un peu de fond en comble les salles et les pièces pour ne rien louper. Donc voilà, ça m'embête un petit peu de devoir rusher, mais bon. Oh, puis en plus là, si j'ai du lag, ça va pas être génial. Oh non, mais oh, pas de lag s'il vous plaît, pas maintenant. Ok. Ah, là il y a un truc que je peux pouvoir passer par ici. Viens là toi. Wow, pourquoi je peux pas la frapper? Non mais c'est pas vrai, attendez, vous êtes témoin quoi, je la défonce la chauve-souris là. Wow, il y a un bug avec la chauve-souris, ça me fait moyennement plaisir, ça me fait moyennement marrer. Parce que ça fait déjà 3 fois que je recommence. Toi tu vas pas commencer à jouer au Mario maintenant, hein? Non mais oh, prends pour qui? Allez. On va rusher par la gauche du coup. Ok, wrong way. Je vois qu'il y a un coffre ici. Une chauve-souris qui m'a pas vu. Elle est où? Elle est là. Ok, il faut que j'essaie de me barrer. Je vais essayer de me barrer par là. Vas-y, tu m'as. J'ai vraiment la flemme de marcher pendant une heure.
Faire des allers-retours, me voir marcher à chaque fois au même endroit en plus, donc c'est pas intéressant pour vous et ça allait pas non plus pour moi. Donc voilà, je me permets de, bah, d'abuser un peu du système. Allez, on va essayer par là-bas. Donc ici on a vu, c'était pas la peine. Par contre ici, voilà, je réussisse à passer. Ok, là il y a un autre coffre, voilà, celui-là je l'ai pas fait. J'entends des squelettes. Ça me... Putain, il m'a eu en plein vol, mais ça c'est un gros scandale, monsieur. Viens prendre ta raquette, toi, connard. Non mais oh, attends, je saute, l'espace même pas d'un bloc, et tu... Ah, mais tu me crois, ça? C'est quoi cette AI? Non mais oh... C'est qui, attends? AI, ça doit rien. C'est sûrement bien quelque chose, et c'est pas bien intelligence artificielle. Allez. Bah écoutez, on va recommencer. On va recommencer, vous aurez peut-être la joie d'avoir un petit accéléré, parce que là, ça doit commencer à être chiant pour vous. Je dis bien peut-être, hein, parce que rien n'est moins sûr. Allez. Hop. Je déteste les sauts comme ça. Oh non, lui, il va pas recommencer. Allez, je vais passer par là. Je vois aucun coffre à l'horizon. Et au pire, bah voilà, je saurai où est-ce que j'ai oublié un coffre. Hop. Allez, on continue à avancer. Oula, oula, oula. Oula là, restez tranquille les amis. Allez vous friter entre vous, voilà. Viens taper ton pote. Non mais tape ton pote. Ton pote. Il veut pas taper son pote. Bon bah écoute. Pourtant c'est marrant quand il tape son pote, mais il veut pas. Ok, donc là il y a les zombies pigs maintenant. Qui vont me donner bah, du steak. Allez, donne-moi du steak toi. Chameau. Il y a un petit slime. Voilà, ça c'est réglé. Ok, un coffre de l'or. Ça commence à m'en faire, je pourrais m'acheter plein de jolis trucs. Ok, il n'y a rien d'autre ici. Allez, on avance dans le tunnel qui a l'air de faire 2000 km et qui va nous prendre 10 minutes à traverser. Allez, on avance, on marche tout droit, tout droit, tout droit. Un slime nous attend au bout, oulala. Allez, viens te la mettre, chameau. Voilà, ça c'est réglé. Alors, où sommes-nous? 1-0. Ça sent le code secret, ça, dites-moi. Donc 0 pour l'obsidienne, 1 pour la laine. D'accord, je note. Alors 0, c'est en haut, je crois. Donc la laine, c'est 1, donc la laine doit être en haut, en bas, pardon. Et l'obsidienne en haut. L'obsidienne en haut. La laine en bas. L'obsidienne en haut. Et la laine en bas. Et l'obsidienne en haut. Voilà, parfait. Oula, ça c'est clair et tout. Ok, ok, ok. Alors, là, je vais foutre le feu à ça. Et après, sûrement que je devrais... pousser les nos amis les blocs poussables dans le trou qui va sûrement s'offrir à moi. Mais en attendant, voilà, on va se faire un petit festin, petit feu de camp pour éclairer tout ça et pour nous ouvrir, voilà, un petit trou. Ok. Ça me... Non, j'ai pas... voilà, ça me donne pas très envie tout ça. Allez, donc on va commencer par tirer les blocs ici. Pourquoi il se casse, c'est con? Ah non, ça va pas être malin s'il se casse. Ah non, ça va pas le faire si c'est con se casse. Aïe aïe aïe. C'était donc pas l'objectif. Est-ce que je peux les reposer ces blocs? Non, je ne peux pas les reposer. Aïe, alors j'espère que j'ai pas fait une connerie là. J'espère que je n'ai pas fait une connerie. Je pense pas, hein, mais... Alors, à mon avis, il y a peut-être quelque chose de caché tout simplement derrière les blocs. Ouais, non, si je les pousse, ils se pètent. Hein.
m'en fiche. De toute façon, voilà, c'est... Bon, voilà, j'ai plein de blocs, mais d'aucun n'a fait peut-être pas ce qu'il fallait qu'il fasse. Wow! Alors voilà, vous avez vu, je suis tombé. Comme une merde, mais je suis tombé. Oula, on me parle sur Steam. Arrêtez de me parler sur Steam pendant que je fais une vidéo, nom de Dieu! Aïe! Il me frite la gueule, c'est con, hein. Allez, je me dépêche, je me casse. Je me prends un petit steak, voilà. Oh non, faut que je remarche tout le tunnel! Aïe, 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 aïe. Donc on a vu... Arrête de me parler sur Steam, je te dis. On a vu que... On a vu que voilà, ce saut pouvait me permettre peut-être d'atteindre la porte du boss. Toutefois, je ne sais pas trop comment faire. Parce que vous voyez, la porte du boss, elle est d'un côté là, bon je sais pas lequel. Et ça aurait été logique, que voilà, les blocs se mettent dans la lave et me fassent un chemin. Donc est-ce que c'est un bug? Je sais pas. Je vous avouerai que là, je sais pas trop. Je vais peut-être redescendre. Peut-être qu'en bas je pourrais les poser ces blocs. Mais là, ouais, dans le cas présent. Dans le cas présent, voilà, je sais pas. Je vous avouerai que voilà, je sèche un peu. Ouais, non, il faudrait les poser les blocs, ce serait l'idéal. Donc je me casse. Je vais aller ailleurs. Est-ce qu'en sautant j'ai pas moyen de gratter un peu? Non. Non, y'a pas moyen de gratter. Bah écoutez, on va être réglo alors. Si je peux pas poser les blocs en bas, je vous avouerai que là, bah je serai un petit peu coincé. Mais je crois bien que le principe même d'AdventureCraft, c'est qu'on ne peut pas poser de blocs ni en casser. Donc, on va voir ça. On va aller là-bas et puis voilà, on va voir ça. Et toi, on attend. Au pire, j'ai regardé la solution, mais ouais, là, toute logique, ça aurait voulu que, bah oui, c'est les blocs tombent dans la lave et puis me fassent un petit chemin. Mais non, ils n'ont pas voulu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils n'ont pas voulu. Alors, est-ce que je peux poser les blocs? Aïe aïe aïe, je crains que la réponse ne soit non. Je ne peux pas poser de bloc. Aïe. Aïe aïe. Bah écoutez, on va se quitter là pour cet épisode. En attendant, moi je vais aller regarder la solution. Ah non, c'est quoi ça? Peut-être que ça, ça va me... Non, rien du tout. En attendant, on va regarder, je vais regarder un walkthrough, n'importe quoi, voir si le mec bah, avait fait tomber les blocs ou pas. Et puis voilà, on se tient au courant. Allez, sur ce, à plus dans le bus, et voilà pour cet épisode. Bisous, bisous, ciao, ciao.